Et y a tout le monde qui se bat avec. Super. Quoi? Ça va? Du coup, expédition numéro 2. La une, voilà, elle était assez flippante, mais on voyait rien. Du coup, on va visiter les rails. On pensait qu'elles étaient complètement abandonnées. Et en fait, non. Il se trouve que non. On se met bien en train de passer tout à l'heure, mais maintenant, on n'a plus vu passer. Donc, ça me semble bizarre. Voilà. Du coup, on peut voir les escaliers quand même. Bah, tu vois pas mon ils sont assez hauts. Ok. Super, mais je veux pas que je monte ma gueule. Non. Mmh. Sur le toit de l'usine, ça montre que ta face. Que ma tête. Hein. Alors regardez, il y a une autre usine là-bas. Mais pas. Et encore derrière, il y a une autre usine. Donc là, il y a une usine. Là, il y a une usine. Franchement, les usines, ça y va, hein. Chez nous. Pas essoufflant. Une Twingo. Non, je ne serais jamais en train de me produire avec Renault pour les Twingo. C'est mort. C'est de mort, je suis en mail. Oui, je viens de faire des pas de produits pour Twingo. Non. Disons que c'est bizarre. Oh putain, c'était horrible. En fait, je vais ranger ça. Vu que. On n'a pas eu de. Alors, on vous avait promis de vous faire voir un train pendant la vidéo le défi numéro 1. On attend qu'il y ait un train. Voilà. Bah, s'il y en a un. Normalement, je sais pas si on m'entend d'ailleurs. Je sais pas si on t'entend. Il n'y a pas d'histoire, mais la légende raconte que quand on fait coucou à la. Un train. Je sais pas si tu me calmes là, tu me fais un gros de sauce. Ouais. Non, mais tu me bonjour. Quand on fait coucou à un train, le conducteur, il dit. C'est quoi de tête, quoi. Ah. Moi, je me souviens que bah, y a une légende aussi. C'est quand on reste trop près des rails, quand on reste trop près des rails, bah, le conducteur, il cherche son pied, il nous met un coup de pied. Voilà. Voilà. Et... alors, quand on ne fait pas coucou, voilà, il est très méchant. Et quand on fait coucou, il est très gentil. Je pense que c'était de l'humour, merci. Voilà. Le mec, c'est vraiment une vidéo comme ça. Ou gay, il est en train de filmer comme ça. Et là, mec, t'as le truc. Il m'a oublié, il m'a mis un coup. Oh, comment tomber dedans? J'ai pas trop envie de toucher. Parce que sinon, je meurs. Je monte là. Comment je monte là, moi. Train de guerre. Allez, au revoir. Vous savez quoi? Là, c'est un placement de produit. C'est une sieste qui fait tourner les trains. Voilà. Vous en doutez pas? Pas du tout. Non, c'était Air France. Non. Bref, c'est vrai. On arrête les blagues. Fais gaffe parce que, en fait, t'as les bruits. Il y a les bruits de l'usine derrière. Et j'ai carrément l'impression. Aïe. Oui, t'as l'impression que c'est un truc qui vit. Que c'est un train. Non, que c'est le train qui arrive. Bon, il n'y a qu'un rail, donc on sait pas de quel côté ça vient. La dernière fois, le train venait d'en face. Mais ça peut changer. Ah. Oh. Oh my fucking god. Mec, il y a ça, c'est-à-dire qu'on peut regarder. Oh. Mais c'est de toute beauté. C'est haut. Très haut. C'est pour... non, c'est pas profond. On pensait à quelque chose, enfin moi je pensais à quelque chose personnellement. Pareil, je pense qu'on pensait à la même chose. Oui. Tu pensais à quoi toi? Je sais pas, un JSE5. Ouais, un JSE5 hein, pour la première. Mais vous ne le voyez sans doute pas. Mais c'est carrément peu profond. C'est pas très profond. Pour la hauteur. On voit pas mais il y a des algues. Ouais, y a des algues. Donc ça veut dire. Au pire, vous voyez pas mais... bon. Ok. Ta gueule, l'usine. Putain, tu fais yesh. Merci. 1, 2, 3.
Ta gueule, putain! Tu m'énerves! Ouais, je pense aussi. Je crois pas que je t'ai eu en vidéo. Mais alors, c'était la vie! Hein? Et puis, elle avait. La vérité sur Motorstorm 022, mon gars. Ta gueule! Putain! Y'a des vaches qui t'écoutent, putain de merde! Hein? C'est bon? Allez, je descends. Je viens de me péter la gueule comme une grosse merde. Ah. Mec, t'as un putain de toboggan. Oh merde. Attendez, je suis coincé. Ah putain de merde. Et par contre, là, oh putain mais merde. Ça est. Eh mec, j'ai le cul mouillé. C'est lourd. Oh merde, galère, merde, oh merde. Voilà. Wouh. Ah ça va, la batterie elle se dépense pas. Non mais. Pareil. Non. Vous entendez? Il y a un tuyau en fait sur le toit, sur le train, enfin sur le train bien sûr, sous le pont. Aïe. Et en fait il y a de l'eau qui coule de ce tuyau et ça fait clic 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 clic. Clic, 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 clic. Bon. Bah, c'est beau ici, hein. Franchement, hein. Je sais pas, on monte. On remonte. Je vais couper le temps de la remontée. C'est un peu long, on a dit que c'était drôle. Mais la remontée, c'est moins drôle. Moi, ouais, c'est peut-être la gueule plus drôle. Ouais. Par contre, si on croise un train pendant qu'on remonte, oui. Je vais être un peu sur les montres. J'aurais bien voulu le voir, le filmer. Oui. On a tout remonté. Bonjour. Ah. Ah. Allez, on part pas d'ici tant qu'on n'a pas fait. Caillou. Préparez-vous à avoir un exploit. Caillou flip challenge. Voilà. Incroyable. Ah, du coup, plein beau top. Voilà. Allez. Bon, très bien. Il est toute beauté. De toute beauté. Mais de toute beauté, donc ça veut dire qu'il va pas chercher très loin. Attends, attends, attends! Un dernier. Un dernier. Un dernier pour la route. Un dernier. Ils vont choisir un bien. Que tu me mettes un putain, une putain d'explosion nucléaire. C'est pas possible, mais ouais, merci. Si, c'est possible. Juste à prendre un extrait d'explosion nucléaire. Je vais arriver. En plus, ça fait un petit bruit. Oui. Allez, au revoir. Enfin, à plus. Je me trompe tout le temps. Bon. Parfait. Loin de là. 4h30 de là. Cherchez. Voilà. Cherchez 4h30. Ça serait bien qu'on fasse. Genre. 20 choses sur nous. Ouais, avec une bannière bien putaclic. Avec des flèches rouges de partout et des smileys. Ouais. Non. Voilà. Donc, regardez mon exploit. Ah, ah oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Donc, nous habitons en... Ah oui, effectivement, moi, on habite je suis en France. Moi je suis en maritime et du la chance et les moules. Ouf. Mm-hmm. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a eu genre un coup de feu. Non, ou une explosion. Non, pas une explosion, sinon on l'aurait vu. Mais peut-être une explosion interne.
Bref, il y avait un gros coup de feu, un gros boum. Nous l'avons bien entendu, je sais pas si vous l'avez entendu. Genre un train qui avançait vers nous comme ça. T'as entendu? Le boum. Oui. Bon, on se retrouve. Là, il y a un train. Là. Je crois qu'il y a un train. Mec, je me suis gamelé pour rien, par contre, je suis bien. Non, mais tu l'as entendu aussi, hein. T'as entendu le tocodo, tocodo. Ouais. Oui, tout bien. Moi, je me suis là. Je pense que c'était une fausse alerte, mais ça faisait bien le bruit d'un train. Ouais. Vous l'entendez pas parce que le micro de. À moins que ça soit en avion. Putain, il m'a fait peur, il est encore avec son. Là, en fait, on attend, mais on est dans la flotte, là. Hein. Enfin, on est pas vraiment dans la flotte. Oui, très humide. Tout ça pour attendre un train. Non, moi j'aime. J'entends. D'accord. C'est un avion. Oui. Vous nous entendez? D'accord. Non, mais j'ai écouté ce que t'as dit. Il a envie de péter. Voilà. Mais ça faut pas le dire. J'entends aussi des bruits de. Je sais pas. Genre une hyène qui fait. Oui, je suis bien la hyène, je sais. Je suis fort pour tout. Hein. On a changé d'endroit. Sinon, on aurait pu risquer de se faire prendre, oh, surprendre par un train. Ça aurait été dommage. En fait, tout à l'heure, on n'a pas fini de parler de nous. Quoi? De nous. On a dit qu'on habitait en Charente-Maritime. Une toute petite ville. Non, pas toute petite. 8000 habitants, je crois. 8000. Bon, on a vu qu'un train depuis, je sais pas, 30 minutes. Ouais. On n'en trouve plus. Normalement, c'est assez courant quand même. Ouais, parce qu'avant, j'habitais à un endroit. Et puis, il y avait un train qui passait toutes les 10-15 minutes. Et du coup, c'est bizarre. Ouais, mec, ça se trouve, je te dis, hein. Ça se trouve, c'est un train fantôme quand même. Après, moi, j'y crois, mais Uber n'y croit pas. Bah, ça m'étonnerait. Du... Enfin. Perso, moi, j'ai l'impression que c'était ça, mec. Par contre, au moment pas, on a vraiment vu un train. On a vraiment vu un train, c'est un gros sujet. Mais je crois que j'avais personne dedans. Ouais, c'était allumé, hein. C'est allumé, oui, ça peut être allumé, mais il y a plus de personne. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on est au point où on est arrivé, à ce pont. Je sais pas si vous le voyez. Bon, bref, vous allez le voir. Donc on est arrivé de là. Le problème, c'est qu'il y a des voitures qui passent en dessous de ce pont. C'est pas comme l'autre où il y avait de l'eau. Ça a duré longtemps comme vidéo, mais bon. Vous avez peur du virus du PC, mais non. Au contraire, les gens qui ne comprennent pas, c'est que les poussous, ça ne veut pas dire ouais, c'est la grosse merde, non. Ça veut dire que ça s'améliore en fait. Juste, je n'aime pas ce contenu. Si vous lisez bien, c'est marqué, je n'aime pas ce contenu. Mais ça veut dire que je ne l'aime pas. Tu restes un peu dessus. Je ne l'aime pas trop. Mais, pour le reste, qu'on améliore des choses. Et sinon, si vous voulez qu'on améliore. Parce que j'ai vu, on a vu sur l'expédition 1. Il y avait 2 pouces. Oui. Bon, après, mais, moi je m'en fiche. On s'en fout. On s'en fout. Il y en a eu 4 pouces verts, merci. 4 pouces bleus, excusez-moi. D'ailleurs, vous remerciez pour les 25 abonnés, je crois. 23, ouais. La vingtaine d'abonnés, quoi. On vous remercie pour ça. Car vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux. Discours habituel, blablabla. Blablabla, bla, bla, ouais, j'avoue. Vous êtes très nombreux. Merci beaucoup, je vous embrasse. Voilà. Je vous demande de suivre mes 40 si je fais une suite sur ma vidéo. Enfin, sur ma chaîne. Où ça se trouve, il peut en faire une, mais on va atteindre que un seul abonné de plus. Ça se trouve. Ou alors on attend 100 de plus. Ça m'étonnerait. J'ai cru voir un train encore. Je suis pas sûr. Hein. Ça me paraît d'avoir. Celle-là là? Oui. Ça me paraît bizarre là. Non, non, c'est pas ça, je sais pas. Et donc là c'est la route. Hein. C'est au cas où il y a une voiture. Non, c'est un camion de l'usine. Mais je sais pas si c'est ça que j'ai vu.
Bon, fausse alerte. Pas sûr, mais bon. C'est un TGV genre moderne, enfin, pas comme. Ouais, je pas comme les vieux. À face de dauphin, comme on les appelle, je crois. Ouais, à face de. Enfin, arrondi, quoi. Pas carré. Non, je pensais pas à ça. À face de. Ou d'un autre nom aussi. Là, on est en train de redescendre. Bref, à face de dauphin. C'est les nouveaux quoi, pas les anciens. Et orange. Bref, les nouveaux. On va pas chipoter, c'est les nouveaux. Marqué TGV à SNCF. J'ai toujours mon vélo là-bas. Oui, je suis parti en vélo, je vais essayer de repartir en vélo aussi. J'ai pas envie qu'on me vole. On se retrouve après, il y a peut-être un train. Ouais, parle, hein. Ah oui, non, mais j'ai entendu, hein. C'est fait la troisième fois ou quatrième fois qu'on voit ou qu'on entend un train. Enfin, non, quand on a vu, c'était. Non, quand on a vu, c'était un. Il est dans un chantier qui a pour la mine. L'usine juste là. Bon, là, c'est une maison, mais voilà. Et là, on est parti sous le pont. On a attendu comme un train. Et là, ça vibre. Je sais pas si vous entendrez.